Le principal objectif est souvent celui de la transmission, cette volonté de pouvoir ou de vouloir transmettre à ses enfants au fur et à mesure un patrimoine immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons traiter la thématique de la SARL de famille. Pour qui? Pourquoi? Comment et quand choisir la SARL de famille lorsqu'on investit en location meublée non professionnelle? Lorsqu'on décide de faire un investissement immobilier, il existe deux structures principales pour héberger ces activités de location immobilière. On a la société civile immobilière qui va plutôt héberger une activité de location vide. Je fais un investissement dans des locaux d'habitation par exemple, locaux vides, la SCI va parfaitement s'adapter. Ou alors, on a le choix de la SARL de famille dans le cadre d'une activité de location meublée non professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette SARL de famille? La SARL de famille est avant tout une SARL et elle héberge donc une activité commerciale. On dit qu'elle est de famille puisque les membres associés doivent être des membres d'une même famille, à savoir couple marié, partenaire pacsé, enfant, frère ou sœur. Vous l'avez compris, pour être en SARL de famille, il faut être des membres de même famille. Et en étant en SARL de famille, on va pouvoir opter pour l'impôt sur le revenu. L'avantage de la SARL de famille en location meublée non professionnelle, c'est qu'elle va permettre tout simplement d'avoir une structure qui va nous permettre d'éviter l'indivision. On va détenir ses biens en société, on va pouvoir intégrer des règles qui sont propres à la gestion de cette société et on va pouvoir bénéficier du statut de la location meublée non professionnelle, du fameux LMNP ou LMP, en fonction des revenus qui sont générés. Pourquoi opte-t-on dans la SARL de famille? Eh bien, tout comme on investit dans une société civile immobilière, ça doit répondre à des objectifs. Le principal objectif est souvent celui de la transmission, cette volonté de pouvoir ou de vouloir transmettre à ses enfants au fur et à mesure un patrimoine immobilier. C'est l'objectif numéro 1. Quand la choisir? Eh bien, vous devez choisir cette structure au moment où vous allez réaliser votre investissement immobilier. Alors, la question qui se pose, c'est quand dois-je choisir la SARL? Eh bien, la SARL de famille va s'imposer à vous lorsque vous souhaiterez investir en location meublée via une société et bénéficier du statut du LMNP ou du LMP. C'est donc bien en fonction du bien immobilier que vous allez trouver, que vous allez vous poser la question de quelle société choisir pour éviter l'indivision. Et c'est naturellement la SARL de famille qui s'offrira à vous. Si vous détenez une société civile immobilière et que vous souhaitez en faire de la location meublée à l'intérieur, vous aurez aussi cette possibilité peut-être de modifier cette société civile immobilière en SARL de famille pour pouvoir y réaliser de la location meublée. Si vous vous posez des questions sur le sujet de la SARL de famille, que vous souhaitez en savoir davantage, je vous invite à consulter un juriste ou consulter nos équipes qui sont spécialisées dans l'accompagnement des investisseurs tant sur la location meublée que sur la location vide, et également en détention directe ou en détention de sociétés comme la SARL de famille ou la SCI. J'espère vous avoir donné en tout cas les grandes lignes d'un investissement à SARL de famille, que vous ayez compris l'objectif d'un investissement via une SARL de famille, et j'espère vous retrouver très vite sur notre chaîne.